Salut coucou, bonjour, on se retrouve pour voir toutes les nouveautés de la map, de la carte, de tout ça, quoi, de Fortnite. On va commencer par un truc très clair, les jetpacks sont arrivés. Je sais pas s'ils étaient arrivés avant, mais je les avais pas vus, donc ouais, bon, je pense qu'ils sont arrivés hier. C'est beaucoup trop bien, je les attendais, les jetpacks. Première fois que j'ai joué avec des jetpacks en Battle Royale. Incroyable. Bon, on va clairement pas spawner dans l'aéronef, sinon on va se faire déglinguer comme des déglingos. Plutôt spawner ici, nous. Parce qu'on n'est pas des déglingos. Au contraire, on est des hommes très intelligents. Ouais, non, peut-être pas jusque-là, mais bon. Je me tire. Let's go. On prend le pompe. Et on va à... au truc bidule, machin, truc. Je sais plus même pas où je vais. Qu'est-ce que je dis, moi? Je vais vraiment acheter Starbucks au max, hein, des fois. Allez, moi, je m'en vais. Salut, coucou, au revoir. Mais c'était très bien. Maintenant, je veux des jetpacks. Let's go. Les jetpacks, ça se trouve sur tous les petits trucs là, comme ça, là, les espèces de porte-manteaux chelous. Je vais essayer d'en trouver. Et il y a les 22 packs, ça veut dire qu'il y a des lance-œufs. C'est un peu des lance-grenades, mais genre avec des œufs. C'est assez cool. Premier objectif, ne pas mourir. Objectif. Oh, voilà, un jetpack, c'est ça un jet. Voilà. On les trouve comme ça, les jetpacks. Trop stylé, et on peut les prendre et on peut se tirer avec. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. J'adore trop les jetpacks. Et on peut viser avec. Nouveauté. Mais on c'était déjà disponible dans le mode créatif. Quoi? Il y a des gardes de Léo, je me tire. Et ben alors, c'était un prank, car je vais aller les exploser. Toi, tu manges! Tu manges, je dis! Mon shoot n'est pas là aujourd'hui! Voilà! Tu dégages! Hé, hey, les lingots! Ça dégage! Moi, je prends juste les coffres et je me tire. Je suis énormément content que les jetpacks sont arrivés! Mon gars, tu vas crever! Salut! Au revoir! Coucou! Je m'en vais! J'essaye. Bon, là, j'essaye. Voilà. Et maintenant, on trie un peu notre inventaire et on s'en va! Ce qui est dommage, c'est qu'on prend des dégâts de chute. Donc, ouais, gardez toujours un peu un peu de fuel, on va dire ça, hein, pour vous amortir à la fin de la chute. Parce que si vous allez haut, c'est trop bien, parce que du coup, je pense que maintenant qu'il y a le jetpack, je ferai des vidéos, je fais des skybases, hein, totalement. Parce que bon, toutes les skybases que j'ai essayées, c'était un peu foireux, on va dire. Deuxième truc, je le ferai en game. Le zeppelin de Daily Bugle, des bugles, s'est crashé. Les 7 ont remporté la première bataille. Et ça, c'est cool. Ouais, du coup. Et maintenant, il y a la guerre à Condo Canyon. Et après, le zeppelin, il va se crasher aussi sur le Condo Canyon. Après, il y aura la guerre à Rocky Hills. Le zeppelin va aussi se crasher. Après, il y aura. Et après, il y aura la guerre. Ah non, non, non. Après, c'est soit Rocky Hills, soit Coney. Après, c'est encore soit Rocky Hills, soit Coney. Et après, à la fin, ce sera Tilted. Bon, je sais pas si vous comprenez. Mais bon. Et à la fin, les 7 vont encercler Lio. Et Lio aura plus que Loot Lake, la forteresse et le corps de caverne. Ah!
pas le moment, Nono. Coucou. Mange! Et voilà, premier petit kill. Il passe crème, franchement, ouais. Ouais, je suis trop fort. Non, c'est totalement du mytho. C'était un prank. Beaucoup trop bien le jetpack. Bref. Eh, vous voulez une blague nulle? Je pense pas, mais vous allez quand même la voir quand même. Ouf. Ici, c'est mon spawn préféré. Mais pourquoi? C'est la question. Eh bah, je pense savoir pourquoi. Parce qu'ici, l'essence, elle est gratuite. Ouais, bon, tuez-moi, allez. Allez. M'en griller sur un barbecue, j'en ai rien à foutre. Abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, vraiment. Parce que, ouais. J'ai un pote, il a aussi une chaîne YouTube. Il a plus d'abonnés que moi. C'est inadmissible. Abonnez-vous, il faut que j'ai 15 abonnés. Et puis c'est gratuit, donc ouais. Ah! Voilà. Ah, éclaté ce fusil. C'est beaucoup trop bien le jetpack. Le seul truc nul, c'est qu'en fait, il a de la durabilité. J'ai commencé en saison 5, chapitre 2, il y avait le jetpack du Mandalorian, qui était infini, en fait, voilà. Après, si vous n'êtes pas très fort, on va dire, eh bah, vous pouvez acheter un jetpack au scientifique pour 518 lingots, je crois. Mais bon, c'est bien plus facile et ça coûte bien moins cher d'aller dans un aéronef. Et puis, moi, de toute façon, j'ai mis un max de jetpack dans ma tente, hein, comme ça, voilà. Ouais. J'ai pas vu quelqu'un par là. Je m'envole, et ben non, c'était un prank. Eh ben si, c'était pas un prank. Et voilà. Tellement pratique le jetpack. La durabilité s'use un peu vite, mais bon. C'est très pratique. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu là dans le jeu. Le jetpack normal. Je crois, bah, pas depuis le... Il était pas en. Oh, Battle Royale sur le normal, ou Squad. Battle Royale normal, il n'y était pas pendant le chapitre 2. Oh, un airdrop. Il y a un tank aussi, mais c'est qu'un détail. Let's go. On fonce. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! Let's go. Ah, bah là, je suis bien. Là, je suis même très bien. Est-ce qu'on va vers le tank ou pas? Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire déglinguer comme un déglingo, mais j'y vais quand même. Oh, un poisson thermique. Bon. Ouh, j'entends des trucs pas très loin. Les poissons thermiques, c'est bien, mais quand il y a des ennemis à proximité, sinon c'est éclaté. Tu vois tout gris. Ah voilà, pas trop tôt. Bon. Bon. Moi, je vais au sanctuaire. Oh, The Skull Dead. Il a une couronne, ce mec. Le squelette de la mort. Super. Je vais pas du tout mourir contre lui. Je sais pas pourquoi, il y a les soi-disant joueurs pros. Ils se baladent, mais avec leur pioche, pas avec une arme. C'est complètement débile. Tu peux très bien être le meilleur joueur du monde, mais tu fais pas cette technique-là, là. C'est même pas une technique, ça. C'est juste pour te la péter. Voilà, je suis un joueur pro, haha, je tiens ma pioche. Tout le monde peut le faire, ça. Ah! Il est où?
Dégage! Oh! Oh, il m'a fait mal, le mec! Il m'a retiré tout mon shield. C'était chaud. Mais j'ai survécu. C'est l'important. Pour une fois que j'ai pas besoin de roquettes, j'en ai plein. En fait, quand vous cherchez des trucs, vous ne les trouvez jamais. Quand vous n'en avez pas besoin, vous trouvez tout de suite. Un conseil, ne vous attaquez pas à ce mec-là, The Rock. Il a toujours les mêmes points de vie qu'avant. Et il a toujours sa Mark 7. Ou son Mark 7. Il a toujours son fusil comme ça, là. Et il peut toujours vous déglinguer, ouais. On va faire une expérience. Et l'expérience, c'est qu'on va tout détruire. Chat! Bon, on peut rien faire, hein, à part vendre une arme. Et je retire ce que je dis. C'est mon sniper préféré. Elle a pas éclaté au sol, mais bon, j'ai dit au pif. Oh! Voilà, maintenant j'ai 250 points de vie. J'avais pas vu qu'il m'en manquait un. Oh, de la baston, on va y aller tout de suite. Où ils sont les gens? Moi, je pense qu'on va aller chercher le bus, hein. À mon avis, il sera plus judicieux d'aller chercher un petit bus de combat. Oh, quelqu'un. La cible est dans le viseur. Il ne se doute pas que quelqu'un l'observe. La cible panique. Elle s'enfuit. Elle change de véhicule pour un bus de combat. La cible s'est arrêtée. La cible prend peur. La cible va forcément mourir. Elle ne va pas faire tapin. Oh, bon. Depuis tout à l'heure, je sais pas si on m'entend parce que ouais. La cible s'enfuit. Elle a peur. Bon, moi je m'en vais, hein. On ne voit même plus la cible. Moi je me tire, hein, mais je me tire où? Telle est la question. Bah je sais pas où je me tire. Super, je suis intelligent. Ouah! Bon. Oh, je l'ai entendu, la balle me frôlait. Où est-ce qu'il est, ce petit malapré? Il y a le Battle Bus qui est en train de faire des tourbillons. Je sais pas quoi faire là en fait. Si je m'attaque au Battle Bus, je suis mort. Parce que ça se trouve, je vais le détruire et je vais tuer la personne dedans. Mais il y aura forcément des gens qui me verront et qui vont exploser après. Oh, top 10. Sympa. Je préfère pas prendre de risques. Et bon, j'ai jamais fait top 1 en vidéo, mais j'ai quand même fait de top 1 couronné. Ouais, je suis trop fort. Non, je suis trop nul. Il ne faut pas dire ça, sinon c'est le karma qui est là. Ne dites jamais que vous êtes le plus fort, sinon le karma va venir. Je crois qu'il est temps d'aller attaquer du pingouin. Let's go. Ah, ils sont là-bas maintenant. Où sont les pingouins? Je veux tuer des pingouins. Allô, j'ai commandé des pingouins frais, ils viennent de la banquise. Je pourrais aller les avoir. Je me tire.
Puisque les pingouins ne veulent pas venir, je m'en vais. Et jetpack, c'est trop bien pour Rota. Ah bah non, je veux pas aller au hard drop quand même. C'est vrai que... Non mais... Le Mark 7 a été voté tellement vite. Et moi je vais mourir tellement vite aussi. Il a un Mark 7, moi j'en ai pas. Par contre, il s'est vraiment pas visé, hein. Oh, je l'ai buté. Il va me trouver. Non. Je vais mourir.